pas d'intro au début du jeu. Donc niveau options, je pense qu'on est bien. J'ai un peu baissé tout à l'heure, on est à la qualité. Merci Dijo pour les 1000 bits, très bonne nouvelle ça. Yes. Ne t'inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut. Donc, on va directement partir sur New Game. Yes. Upgrade. Ah oui, je peux pas mettre le jeu en français. Peut-être le problème. C'est un peu ce qu'on avait dit sur la table de mixage. Yes. Normalement, oui, ça doit être bon. Re-bienvenue. Je t'attendais. Bartender. Yes. Still drinking old fashion. Alors, tu continues à boire de la merde. Yes. Ok. Alors, le temps est enfin arrivé. C'est enfin arrivé. Yes. Tu as toutes les informations que tu voulais par rapport aux deux têtes de dragon. A fin du Schultard with returning to the tea house. Donc tu devrais commencer par retourner à la maison de thé. Yes, de thé. Déplace ta cam pour les sous-titres. Ça va, 2 minutes. 2 secondes. Ouais, je vais me mettre là. On me met toujours au coin, moi. Hop, on va reprendre les sous-titres, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça va là pour le moment? Il y a de grosses baffes hein, dans ce truc. I wish you good luck. Bonne chance à toi. Je te souhaite bonne chance. En vrai, bonne traduction. Hein. C'est l'histoire de Draglock. Au piqué, salut du salut Bam. Coucou. Salut Schwarzenegger. C'est Drag. Pampan. Ça n'a rien. Mon cœur se mûrit des bonbons. Chut. Donc ça c'est Drag sur le ferry. Ça va et toi, dis-moi, tu te reposes mieux? Ça va. Je me repose mieux, je me réveille à 10h, mais là, super motivé là. Les amis, j'ai acheté du matériel de sport là. À partir de lundi, je vais arriver, je vais même plus rentrer dans la caméra. Vélo d'appartement, table pour halter, pour tout, c'est fini. Donc, on a 0 points, donc là, pistole, donc on est obligé de prendre le pistolet pour commencer, avec les upgrades, je pense, on verra bien, on découvrira ça tous ensemble par la suite. Donc, clip size, donc il faut juste l'améliorer, ok. Donc on est sur du clip size, on est sur du fire rate, on est sur unlimited ammo et movement speed. Donc en gros, en fonction de l'arme que l'on a, on peut prendre... Ah voilà, ça c'est l'upgrade du duo Uzi. Donc on essaiera peut-être d'aller jouer au Uzi x2, parce que bon, c'est toujours bien quand il y a plus de bruit, ce genre de choses. Donc on est parti. Gunner, comment ça se fait que le seul qui a un physique de déménageur reste sur la chaise le jour du déménagement? Bah parce que moi je mal au dos en fait. Puis c'est loin à Paris. Donc hein, c'est voilà, c'est vu du haut. On peut faire des moves au ralenti. Vous voyez la barre hein, qui est là-bas du coup. Re-repli, enfin qui se recharge en fonction. Et avec ça, on peut faire des glissades ou des sauts. Est-ce que ça passe? Ok. Donc là, des petites flèches qui indiquent probablement. Voilà, sachant que sur ce jeu, vous prenez une balle, vous êtes mort et vous restartez tout simplement le niveau. Et c'est un peu ce que j'ai vu en commentaire. Alors attendez, je vais juste faire un truc parce que du coup, je me sens tellement mis dans le coin que je suis trop dans le coin. Donc en gros, les seuls trucs que je vis actuellement en commentaire, c'est que le jeu est beaucoup trop dur, vous aurez dû mettre un mode facile. Ça a l'air génial, bah oui. Die and retry, c'est un peu ça, ouais. Donc on en est là aujourd'hui. Donc là, petit saut, une tour ralentie. Hop. Ah, faut faire comme un...
quand on prend des balles. Faut vraiment faire attention. Salut Dondi, bonjour. Hello Juju, juste de passage pour fêter mon anniversaire. Des bisous. Merci Mozika, c'est très gentil pour le resub et le 3ème mois. Gunner hein, qui fête son 15ème mois. Merci encore. Et oui, c'est juste que j'ai très mal au dos. Personnellement, je peux pas porter des trucs. Donc, vous inquiétez pas. Moi, j'irai directement quand ils seront sur Montpellier. Pour les aider ce soir. Ok. Là, il reste un ennemi ici. La musique est cool. Ah, il y a une fenêtre. Yes. Une fenêtre. En vrai, c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Donc, encore une trouvaille de mon cher DRK. Et en plus de ça, il y a des challenges. Donc, faire moins de 30 secondes, no slow motion, perfect aim. Donc, en gros, je pense que c'est genre toutes les balles, enfin, une balle du coup, hein, pour chaque adversaire. Et ne pas utiliser le slow motion. Donc, ça résume bien le truc. Combien le jeu ? Je crois que c'est 15€, quelque chose du genre, je sais plus exactement. Clear. Et voilà, Draglock qui repart, hein, alors qu'il a un con. Enfin, il a fait le con, quoi. Est-ce que ça allait au niveau du son du jeu ? Est-ce que tout allait bien au niveau du son du jeu ? C'est tellement drag, yes. Parc Drag était un peu plus aplati en 4 tiers, on va dire. Donc, nouveau challenge, on a gagné 2 petites étoiles. Donc on va pouvoir, entre guillemets, upgrade quelque chose de son arme. On va découvrir ça. Après, je sais pas si genre, je pense qu'il y a une sorte d'histoire jusqu'à un certain point. Ensuite, il doit y avoir un boss, probablement, peut-être, je sais pas, je connais pas ce genre de type de jeu. Et ensuite, on passe à une deuxième étape de l'histoire, je pense. Donc là, il était 17h45. Donc là, il est 21h. Donc Drag, il est quand même passé à Domino's. Il s'est douché juste avant et il part à autre part. Donc, Death come knocking at the door. Donc la mort vient en frappant les portes. Enfin la porte. Enfin bref. Un genre de truc comme ça. Ouais, show gang apartment. Donc là, on est dans un appartement d'un gang, toujours. On est à la recherche de certaines informations. C'est pas encore plus. On verra bien ce qui se passe. Et on est reparti pour ce niveau-là. En vrai, je le trouve bien pour un vue d'au-dessus. C'est grave sympa. Donc, on peut unlock les SMG. Je pense qu'on va aller chercher ça. Comme ça, on va pouvoir prendre le dual. Là. C'est cool en vrai. Ok. Boum. Très bien. Ok. C'est pas mal. Là il y a une fenêtre je crois, ouais. Yes. Voilà. Beaucoup trop fort déjà. On est beaucoup trop fort. C'est de la coop. Non. Il y a une fenêtre. Wouah, ma souris. Wouah. J'ai plus de balles. Là on ramasse avec eux, du coup. On a un pompe. Chez. On est même pas mort. Too easy for me, too easy. Tendu les munitions, yes. Bon, on l'a fait en plus de 40 secondes, mais bon. C'était pas dégueu. Grave cool. En vrai, il est grave sympa. June 14, 80, Hong Kong. Alors, première interrogation avec le suspect par rapport aux événements qui sont qui took place between the June. Ok, qui se sont déroulés entre le 10 et le 13. Police officer. Présent à l'interrogation, l'officier Si Wong et le suspect. L'interrogation a commencé à 15h45. À la date du 14 juin 1992. Bon, commençons par le début. We know that you came back to Hong Kong on June 10. Donc, on sait que vous êtes revenu à Hong Kong le 10 juin. Arrivé à 17h15 avec l'avion de Bolivie, 14h35.
I'm no showing suspect surveillance footage from the airport. Je sais ça. Non, maintenant je regarde les caméras de surveillance de l'aéroport. Suspect. Ok. On sait que vous êtes arrivé à Liu Change Restaurant, donc le nom du restaurant probablement, à 8h05. And then made a visit to Tea House. Et que vous avez fait une visite à la maison de thé. Enfin, ça doit être un bar ou j'en sais rien. En tuant quelques Weisho Grounds. Ça doit être un nom de gang encore. Alors à 21h, you knock on the door. Vous avez frappé la porte. One of Wei's Chase Apartment. Donc le gang toujours je pense. Don Ifu Chong Estate used for drug distribution. Donc dans le entre guillemets dans la planque des mecs qui distribuent la drogue. Turning into a blood bath. Donc un carnage quoi. Il y a un famas probablement. So let's talk about the event that took place after your apartment on June 10. Bien sûr. Donc ils vont discuter de ce qui s'est passé en juin 10 dans l'appartement, bien sûr. Donc à 22h15. Donc 1h15 juste après. D'après un des serves. Car trouble. Yes. Yes. Bon, bien entendu, je fais exprès de parler comme ça. Hein. J'ai un très bon anglais, en vrai. Ça demande des défis pour les étoiles supplémentaires au lancement de la mission. Aussi. Et là, du coup, on a une étoile. Donc on peut pas faire rate, on peut pas augmenter le fire rate. Donc on a 20 balles hein, dans les chargeurs en vrai. Hein. Ce jeu est que sur quel support ? AG il est sur... bah actuellement il est sur PC, hein. Ça n'a pas changé. Wow. Ok. Ok, il y a des portes ici. Jameson. Ok. Bon, on s'est pris une vieille balle. Wouah. On était sur le véhicule. Ouais. Ouh. Faut vraiment faire attention en se relevant. Donc là, on a une porte, on a une entrée. Il y en avait d'autres là-bas. On va essayer de les faire bouger de l'autre côté maintenant. Il est rempli de pirouettes ce type. Hein. Par contre, le pompe ça me fait un peu peur là. Je vais peut-être aller chercher notre arme hein, parce qu'il me reste 2 balles. C'est parti. Ok. Bah, on a l'air un peu dur là. Là c'est une étagère, je pense qu'ils peuvent me voir. Salut Omeba. Ah, je pense que là il y a un mur, c'est pas possible. On prend ça. Ok. Oh là là là, c'est à IM. Bonjour. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. C'est stylé de dingue en vrai. Hein. C'est trop trop bien. Hein. C'est trop trop bien. Hein. Les feux d'artifice chinois ce jeu. Yes. Donc on va faire attention. On va regarder donc au début. Derka nous dit qu'au lancement de la mission, on voit comment on peut débloquer un peu plus d'étoiles. Donc peut-être essayer ça. Mini 30. Donc on avance. No one safe until you are all dead. Donc personne, bien entendu, est sauf. Oh, dead. Donc, en gros, si on complète le niveau. Oui, bah oui, en fait, c'est ça. C'est juste les challenges. En fait, si on arrive à faire les challenges, on a une étoile en plus. C'est ça, en gros ? Je pense que c'est ça. Quelqu'un sait le prix du jeu ? 15€. Fire rate. Donc là, on a upgrade. Le petit SMG. Oula oula. Ok. Waouh.
Ok, c'est chaud quand même. Bon, on est passé comme un champion quoi. J'arrive juste à jouer à ça toute ma vie. J'ai plus de balles. Non, c'était trop bien. J'avais trop bien joué. Grâce à toi, Jou, je me délaisse de 15 euros. tant mieux si vous aimez, c'est cool. Salut Mathirène, bonjour. Bon, c'était une bonne percée en vrai. On a bien joué. Du coup, il y a du cas qu'on dirait pas, je sais pas. Bon. On découvrira peut-être plus tard, je sais pas. Mais pour le moment, on a des pistolets, fusil à pompe Uzi et AK-47 en quelque sorte. Donc voilà. C'est... Donc on compte tout cracher quoi. Je suis né pour ce genre de jeu. Wow. Oh, c'était tellement stylé. Y, M, C et A quoi, j'ai envie de te dire. Un monstre. Putain, dommage, 5 secondes en moins, on aurait une étoile supérieure. On a fait 7 dives, il y a tout le résumé en fait. 14 secondes de slow motion, pas dégueu. C'est bien en vrai. Prochain défi, une balle, un ennemi. Ouais, ça m'a l'air chaud. Dragok avec une super soirée en tout cas, on dirait. Hein. Plus personne, c'est toi le Punisher, bien sûr. Bien sûr que c'est moi le Punisher. Épaule plus souple de Chine. Yes. Donc voilà, on a 4 armes pour le moment. 4 choix. Et après, on peut upgrade ces armes-là. Après, il faudrait voir peut-être avec le pistol, le fait d'aller beaucoup plus vite et avoir des munitions illimitées. Après, ça a l'air. C'est pas mal, hein, les musiques, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai évité une balle, mais je n'avais pas vu le mec derrière moi. C'est grave stylé. Ah, ça c'était... Ça c'était dans le dos. Bon, va falloir faire attention à ça. Peut-être essayer de la jouer genre fast. Non, ça marche pas comme ça. Funky. C'est 20. Ouah, les doubles pompes là sur la gauche, c'est pas dingue. On va vraiment faire attention à ces fenêtres. Ok. C'est vrai que c'est plus facile à faire des one avec les pistoles en vrai. Relève pas maintenant! Non! Le défi a l'air d'être pareil pour les missions. Pour limiter slow motion perfect AIM. Yes, yes, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Mais si on les fait. En fait, si on les fait maintenant, je trouve que c'est nul parce que du coup, on découvre pas le jeu. Si on fait pas de show. Enfin, tu vois ce que je veux dire? De show time, enfin du. Bref. Ouais, c'est impossible. J'essaie d'aller vite. Ah, les mecs sont beaucoup trop chauds. C'est quand même dur à les faire les challenges. Hein. Ok. Ouais, c'est trop dur. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud.
Merde. Pas eu de perfect d'ailleurs. C'est vraiment dur. C'est vraiment vraiment dur. Mettre une balle, peut-être pas la SMG mais. Les trades sont difficiles. Essayons de découvrir d'abord et peut-être si le jeu genre est rapide, on essaiera de faire les challenges. Ouh les skills. Très bien. Et c'était quand même dur. Hein. Tiens. Putain, drag est grave chaud en vrai. Hop, pirouette par-dessus. Alors, ça, c'était pas stylé. J'ai plus de balles. J'ai voulu faire mon Matrix. C'était trop stylé. C'était tellement stylé. Ah c'était trop stylé. C'était trop bien. Hop, passe par-dessus les tables. Parti. Je vais la prendre, je vais la prendre. Waouh! Let's go! C'est trop dynamique, c'est insane! C'est moins dynamique qu'Hotline? Hotline, j'avais joué vraiment très rapidement et c'est vraiment genre tout droit quand même avec des coups de corps à corps et tout. 4 days earlier. 4 jours avant. Déjà de retour. One old fashioned coming up. Je pense qu'il parle de la boisson du coup. Peut-être pas en vrai. Do you want to know the secret of the old fashioned? L'ancienne. Pas vraiment comment te dire ça, si c'est vraiment quelque chose. Il dit the old fashion. Alors j'en sais rien. Est-ce qu'il veut connaître le secret? Oui, ouais, c'est ça, c'était un cocktail. Well. Bon. Le secret. C'est de. Le sucre. Le brown sugar. Quoi déjà? C'est le sucre. Merde, c'est quoi déjà le sucre? Bref, vous avez compris. C'est fait sur l'Islande Ishigaki, donc sur une île. Margaret Fazer got it from a Japanese prisoner during the war. Donc mon grand-père l'a eu par rapport à un prisonnier japonais pendant la guerre. Du sucre brun. Ok, on dit quand même sucre brun. Ok. Il était ici durant la bataille de Nenjam Unan Guangxi. Donc ça doit être, je sais pas qui, quelqu'un, un gang peut-être. Et il a inventé The Old Fashion. Donc The Old Fashion, donc un peu comme si on disait « Donne-moi un sex on the beach ». Et du coup, c'est ce qu'il est en train de boire maintenant. La légende dit « It will give you the strength and courage to defeat your enemy ». Donc la légende de cette boisson dit qu'elle vous donne la force et le courage pour tout simplement anéantir vos ennemis. Donc tu connais le secret de la famille. Quoi. Donc il est en train de parler à son barman en fait. Assez parlé de ça, j'ai entendu des rumeurs que donc les deux têtes de dragon ont pris l'auberge de Red Dragon de récent, ont pris quelque chose.
Et cover. Ils sont partis sur le, dans le restaurant Red Dragon, du coup, le restaurant Dragon Rouge, à King Long Street. En fait, le bartender, c'est un peu son pote, quoi. Good fortune, not forget to get your weapon, you are going to need it. Bonne chance, n'oublie pas d'améliorer tes armes, tu vas en avoir besoin. Sucre de canne. Oui, voilà, c'est le nom d'un cocktail, en fait. Exactement. Donc, il y a un problème au restaurant, il va falloir y aller, il va falloir régler cette histoire. Et on est parti. On est à King Long Street. King Long Street. Red Dragon Restaurant. Même une 15. Ça a l'air d'être un gros niveau, en vrai. On a 3 étoiles. Je me demande vraiment si on n'irait pas chercher le mouvement speed d'abord que... Je sais pas. On va voir. Ça m'a l'air... Ça m'a l'air bien cocasse. On va garder les flingues. Ok. Les pompes, ça me fait peur sur ce genre, en vrai. Ok. Ouah. Non, je me suis... Non. Je suis relevé trop tôt. J'ai déjà joué à Strong... Angle Hold. Je fais un aussi que j'avais trouvé cool à l'époque. Pas du tout. Salut Brice Live, merci pour le reçu, le 16ème mois, l'ami. Re-bienvenue à toi, merci beaucoup. Je sais pas, je connais pas du tout Demon. Ouais, les glissades, c'est vraiment OP en vrai. C'est grave chaud. Bah, y'a des salles par salle, tranquillement. C'est juste que moi, des fois, je fais mon beau là, et du coup. Ok. Bon, là, c'est un peu la merde. Parfait. C'est vachement bien fait en vrai. Franchement. Ouais, là, je me suis fait éclater. En fait, soit tu joues trop vite et ça passe, soit tu joues trop doucement et du coup tu... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Y'a pas de... Je sais pas. On dirait que quand tu joues doucement... Merde, t'as pas trop de... Ça rigole zéro. Les fusils à pompe rigolent zéro en vrai. Youh, petit esquive de balle, très bien. Dernier, ok, donc là c'est clean. Pas d'esquive ici, ok, nice. Oh le con, ça fait trop bobo. Ouah, ce qui... Je pensais pas qu'il allait me tuer en vrai. Ah, faut toujours continuer un petit peu à bouger pour essayer de pas te prendre les balles. Mais le pompe ça fait peur. Hein. Ok, donc là c'est bon, c'était un extérieur peut-être. Fusil à pompe. Les double kills comme ça, c'est pas dégueu. Ouais. Ah! Oh non, j'étais. Non! Oh non, j'étais bien là. Je pensais avoir dive allongé. Okay. On va recommencer tranquille. Ah, les balles de pompe sont vraiment dures à esquiver en vrai.
faucon. Parfait. On va prendre le pont. Bon, ça a l'air quand même pas dégueu. Pour le moment. Je l'avais pas. Oh, les balles qui passent au-dessus. Ouh. Ok. J'ai plus de balles. Oh, j'avais plus de balles. Oh, j'ai pas vu. Faut vraiment faire attention à tout. Des éclats qui sortent des portes. Non, mais franchement, c'est vraiment cool. Aïe, 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 aïe. Au corps à corps. Ah, je pense que c'est mort là. Ok, nice. On est sorti, mais c'était chaud quand même. Hop. Ça, c'est par au-dessus des balles. C'est vraiment clic-clic. Hein. En fait, il faut vraiment que quand on est dans le ralenti, on peut bouger un peu à... Juste, faut vraiment faire gaffe à ça, quoi. Ok. On est passé. Entendu, du coup il a pré-shot la porte. Terrible. Là c'est un Max Payne vidéo dessus quoi, à la Miami Hotline tout simplement. Ah, je la prends. En fait t'essaies de voir là où tu mets ta balle, plus le fait de voir les balles qui t'arrivent dessus, et c'est vrai que ça commence à être un peu en mode... Ils sont beaucoup. Je vais commencer toujours à clean le haut. Je pense un peu. Oh, lui aussi il fait des rondelles. Là ça devrait le faire. Ah. Reste 8 balles. Faut vraiment faire attention balles. Ça a dû commencer à douce le dos. Ça va à gauche, ça va un peu. Ça va toujours un petit peu mieux. Ok, ça en est passé, c'est cool. Une nouvelle balle. Ah, ça m'a l'air chaud, par contre. Ok. Comment il n'y a plus rien à clean ici. Faire un peu autour. Ok, c'est clean de ce côté. Oh, le pont plus la cale, ça va être terrible en vrai. Ok, nice. Oh, j'ai eu peur. Ok, il reste quoi du coup? Un étage supérieur. L'ai acheté, je kiffe. tant mieux, ça fait plaisir. Vous aimez une découverte, c'est cool. Ok. J'essaie de voir s'il faut pas rentrer quelque part. On dirait pas. Il reste quelqu'un. Je pense pas qu'il reste quelqu'un, si je dois aller quelque part. Ah, il reste quelqu'un. Très bien.
Il se promenait. Nice. Elle était dure. Elle était dure cette mission en vrai. Les pompes font vraiment mal. C'est vraiment dur de choper un petit peu la direction des éclats et tout. C'est cool. Save for sake, coucou. Franchement, c'est cool. Pour le moment, c'est une très bonne découverte. Je suis assez content. The Rat. Zankyo, du coup. Westcho. Donc, le boss. C'est le boss. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Une lobe d'upgrade. Donc là, c'est bon. Il est allé débloquer du coup le plus 5 clip size, donc 5 balles de plus dans le pistolet. Le fire rate sera augmenté. Une limitée d'ammo, donc c'est cool en vrai. Comme ça, on n'a pas besoin de choper les autres armes au sol. On va voir comment ça se passe. Donc c'est lui contre moi quoi. Et il a de la vie, ok. Ah, et il a des potes. Je peux pas passer par là, donc c'est à chaque fois que je passe les fenêtres. Ok. Non, je pensais pas être là. C'est chaud. Donc va falloir faire attention sur notre gauche. Sur des éventuels ennemis qui pop. Et lui. Bloqué dans la fente de la fenêtre. Oh, faut que je le tue une fois. Nice. Ok. Puede. Ah, je l'ai pas vu. C'est nul, il a un gilet pare-balles. Un peu. Yes, saute! Ouh. Oh, je vais la prendre en me relevant. Non, c'est bon. Ok, ça va, ça passe. On a réussi. Insane. Drag, on fait ton histoire. C'est vraiment stylé. C'est vraiment méga stylé. 12 dives. Bon, je mors 4 fois. 13 balles. Miss. Sur 34 tirés. C'est un bon ratio ça. Eh, si j'avais un FMA, j'aurais full win. Touche l'argent pour ça? Non, je crois pas, gros. Malheureusement, non. Désolé. Ah oui, on peut jouer à la manette. Mais bon, vous me connaissez, moi, la manette, quoi. Merci beaucoup, Dodd. Bienvenue sur Just TV, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci. Ouais, j'ai pas des yeux. Mais si, t'as ses yeux. Aujourd'hui, 14 juin 92.
interrogation. L'interrogation continue. Le temps, il est 16h45, 14 juin 92. Quelle est, merci beaucoup pour le reçu, belle 4ème mois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est grave cool. J'ai eu peur, je pouvais plus user des emotes. Yes. Bah merci en tout cas de pouvoir les réutiliser, Kalem. J'espère que tu vas bien. Ernest, ton best-of. Par contre, la musique d'intro, j'ai tout passé trop fort. Lequel Necroid? Le dernier? Avec les commentateurs épiques. So, let's... donc, revenant où on en était. Donc, 10 juin 91. Vous avez été décoré... par détective. Ok, en gros il a été haut gradé. Il a été gradé police détective. Détective de police à Hong Kong Police Force. Ouais, faut vraiment tourner les phrases d'une certaine façon. Et vous et votre partenaire maître de biggest truck bust in Hong Kong Police History. Donc ils ont fait le plus gros coup dans la police Hong Kongolaise. Je sais pas comment. Enfin bref, vous avez compris. Shooting down one of the two-headed dragon biggest drug lab. Donc, ils ont fait tomber du coup un des boss des deux dragons, des deux têtes de dragon. Il y avait un des plus gros laboratoires de drogue. Hong Kongolais. Et c'est vrai que c'est quand même un mot difficile. Hein. Hong Kongolais. Ok, donc en gros, après ça, donc après qu'ils aient fait tomber un des boss. Mais c'est une fille? Je comprends pas. Ça a l'air d'être une fille. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Donc, après ça, avec votre partenaire, vous avez eu. En gros, leur tête avait été prise à, a été mise à prime par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et donc, son partenaire a été retrouvé mort et lui à l'hôpital. Quoi. Donc, c'est pas vraiment Draglock là. Je peux faire l'affaire en attendant my friend Pedro. Et soudainement vous avez disparu à l'hôpital. Tout le monde assume that you were killed as well. Donc tout le monde pensait qu'il avait été tué. 1 year later you show up in Hong Kong and hell breaks loose. Donc un an après vous montrez vous montrez enfin à Hong Kong. Et cette phrase hell breaks loose. Et ça, je comprends pas. Je ne sais pas traduire. Yes, on va dire yes. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé ici? Trop marrant, j'habitais à HK pendant 5 ans et je viens de partir. Trop cool de découvrir ce jeu avec toi. Tuked. Bah, j'espère que ça s'est bien passé, en tout cas là-bas. Grave bien, en vrai. If you do not want to talk, I cannot help you. Donc si vous voulez pas parler, je peux pas vous aider. Donc après avoir tué Wei Shou, you made a little visit to Chang Wong Gang down in donc là elle a re-rendu visite à un gang donc in Kowloon Tong. Putain mais c'est comment je peux garder mon sérieux. So tell me a little more what went down today. Donc dites-moi ce qui s'est passé quand même un petit peu plus ce qui s'est passé ce jour-là en commençant. Avec le Chang Bong Gang. Écoute Drag, j'essaie juste de pouvoir, enfin voilà, ok. Pas de. Donc on va voir ce qui s'est passé durant ce petit moment. Donc.